46, le Super Moscato Show, et c'est l'heure du journal moyen, Adrien. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Denis Charvet était l'invité d'honneur de l'émission J'aime courir. Ah ouais. Logique. Okay. Déjà, ça est-ce qu'il a parlé des Gabriga? Non, mais il a fait des mouettes, il a fait des... Voilà. La hanche en plastique de Moscato tiendra-t-elle un demi-prime sur TF1? Voilà, dernière interview de Vincent avant l'émission. Il est même pas au courant qu'il donne des interviews, Vincent. Et puis, Willy Sagnol fait son apparition dans le journal moyen. Willy Sagnol, eh oui, bien sûr. Willy, quoi. Vous êtes prêts? Bah tiens, Denis, comme t'es avec nous, là, tu vas nous parler de running. C'était qui, juste pour info, le maire de Lyon en 95? Truc. Qui Gabriga. Un indice. Mais si, c'est lui. Ok, merci Denis, c'est lui. Vous écoutez RMC. Mais c'est sympa d'avoir Tu sais quoi, voilà. Tu viens de me rendre compte du mais si c'est lui. Oui, c'est lui. Mais si c'est lui, dis en plus. Je crois que c'est ça qui est le plus drôle. Mais si c'est lui, j'avais pas entendu. Mais si c'est lui, Gabriga. Vous écoutez RMC, merci Denis. C'est le 422e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show, Denis. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. C'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. C'est devenu un véritable rendez-vous qui compte sur RMC. C'est le passage antenne à 19h55 entre Dugas et Jean-Christophe Drouet. Jean-Christophe est censé donner son programme. Mais non, depuis le début de la saison, il a arrêté de donner son programme. Il nous propose autre chose à chaque fois, à 19h55, j'y sais. Bon, bah c'est un Belge et un Japonais qui discutent. Okay, oui. Le Belge, il demande au Japonais, si tu devais être un animal, tu aimerais être quoi? Alors, le Japonais lui dit, moi franchement, j'adorerais être un cheval. Et le Belge lui dit, tu peux pas, t'es des Japonais. Voilà, merci. Merci JC, mon idole en ce moment à la radio. C'est bon. Jean-Christophe Drouet. C'est tu sais, très bonne. C'est JC les gnous. C'est lui qui doit faire les gnous déjà. On pourra la réécouter, les gnous. On la réécoutera un jour. Promis. Denis Charvet, hier, Eric, tu n'étais pas là hier dans le Super Moscato Show. Nous sommes dans les paris RMC. Denis nous livre son analyse précise sur Nice-Paris Saint-Germain à venir. Un feeling parce que Nice va jouer le match de la Muerto. Merci Denis pour tous ces moments que tu nous offres, Denis Charvet. Le match de la Muerto, C'est pas le pluriel, non? C'est une scénarie des scénarios. À un moment donné, je crois que la Muerto. La Volta. Et puis Willy Sagnol sur RMC Sport 1 dans Breaking Foot, l'émission de Mohamed Bouafsi. Il évoque le cas Ben Arfa, c'est intéressant. C'est un joueur qui. Alors, c'est pas sa faute. Pour son premier match, il met un pénalty. Le lendemain, il y a eu un grand quotidien français qui a écrit La Renaissance. C'est vrai. Ce matin, on aurait dû. Et ce matin, on aurait dû avoir, par exemple, l'enterrement. Si c'était la Renaissance l'autre fois, ou la crucifixion aujourd'hui. Ah non, la crucifixion, ça fait encore plus mal qu'une crucifixion. C'est très dur, la crucifixion. T'as déjà été crucifié? Ah ouais, souvent. Ouais, voilà, ça fait mal. Merci Willy. En réalité, c'est un mélange de crucifixion et de. Et de clarification. De pénétration. Merci Eric, sa transition. Si tu le veux, écoute ma foi. C'est gratuit quoi. Eric cherchait un mot en science, c'est le premier qui est venu. Merci. Non, Eric. Je voulais pas le dire, mais on m'avait forcé. Sans transition, danse Vincent. Danse. C'est donc demain. C'est la veille des grands champions. La première de Moscato dans l'émission Danse avec les stars sur TF1. Tiens la pression. Un peu quand même, La production a publié une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Danse avec les stars. Ce sont les derniers mots de Vincent avant cette grande aventure, parce qu'ils font des petites interviews, je sais que tu adores ça régulièrement, ils te suivent à la trace, Vincent. C'est que l'autre chose, je te le dis. Première question, Vincent, avez-vous peur du jury? Et là, Eric, Maryse, on découvre un Vincent qui devient un peu faillot. Oui, faillot. Généreux, c'est un bon mec. Jean-Marc Généreux. Canadien, Patrick Dupont, ça c'est quand même des phénomènes. Ça c'est des vrais athlètes. Non, c'est qu'un plaisir de les voir, ces mecs. Après, il va pas me gronder, non? Moi, je pleurniche s'il me gronde. Ouais, on voit une petite crainte déjà sur ce jury, Vincent. Non, mais c'est vrai, t'as Dupont quand même. Dupont, c'est un des cas plus grands athlètes français. Danseur, même éventuellement. Physiquement, je veux dire. On parle musique. Bien entendu, danseur. C'est pas première ligne, j'allais pas dire, c'est un des plus grands premières lignes. Il est flingué comme couillon, comme un pique-feu. On en arrive à ça, mais c'est incroyable. À la chanson, à la musique dans l'interview, sur quelle chanson aimerais-tu danser, Vincent? C'est la question. Brigadier Savary, Alpha Blondie, Pink Floyd. Tu connais pas, hein? Vachement Pink Floyd. J'aime bien le dernier de MC Solar, Caroline, c'est la chanson ça. Il m'avait accroché dans les années 90 avec ça. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Eh oui, t'as vu le ton ténébreux qui prend, Vincent? Je suis l'as. Ah, mais je suis fatigué, c'est après 4 ans. Par contre, l'as de trèfle qui pique ton cœur, en termes de musique entraînante, c'est pas. Non, franchement, ça prend un slow. Ouais, méfie-toi, là, je vais danser sur un autre truc, c'est pas.
plus entraînant que ça. T'as pas, pas le droit de le dire, hein, Vincent, parce que je crois que c'est secret. Ouais, hein. T'as bien fait de me le dire. Question suivante. Question suivante. Qui est pour toi le plus grand danseur du monde? Encore un petit peu faillot, Vincent, forcément. Dupont. Quand t'es français, c'est Dupont. Après, j'en connais pas 5000 non plus. Ma mère, elle disait Dupont. Ma mère, elle disait Dupont. Ma soeur, elle disait Dupont. Moi, j'ai dit Dupont. Avec un D ou un T? Avec un D ou un T, Patrick Dupont, d'ailleurs, Vincent? Je sais pas. Comme tu le professeur Tournesol, avec, avec des entrechats, ça c'est sûr. C'est l'équivalent d'Yannick Noah à Alain Prost, hein, ouais. En termes de notoriété. En termes de... Ah oui, bien sûr. C'est le mec... Qui... Écoute-moi, tu peux pas citer autre... quelqu'un d'autre que Dupont. Hein, Nourieff. Et comment, Baryshnikov? Baryshnikov. Mais oui, non, mais d'accord. Michael Jackson, Vincent, Arthur Mitchell, c'était un des premiers... Non, mais on te, on te demandait un danseur français, non? Oui, mais en français, Nourieff, comme ça, c'est pas les Français, donc... En France, c'est le mec qui a rendu la danse. Patrick Dupont, pour ton information, Vincent, c'est avec un D. Voilà, il y a 53 000 Dupont en France avec un D et 16 000 avec un T. Dupont, voilà, c'est l'info qui sert à rien. C'est pour ça que dans les Tintin, ils disaient avec un T ou avec un D. Tout autre, temps, c'était, autre question, connais-tu les autres candidats, Vincent? C'est moi qui les ai choisis. J'ai pris que des pompes pour pouvoir gagner. Bon, j'ai pris Basile, tout ça. Quand je tournais, j'ai connu Pamela Anderson. J'ai beaucoup changé physiquement, mais bon, qu'est-ce que je te dis? La vieillesse, c'est un naufrage. Voilà, t'es fatigué hein, sur cette interview, Vincent, réalisée le matin, je pense, autour de 9h30 du matin. Le problème, voilà. C'est une machine à tuer, là, alors. Mais il te demande de faire un effort ou... Non. De toi-même, tu te forces pour essayer d'avoir 2-3 punchlines? Non, bon, je sais pas... Tu dis, on refait? Non, alors, non. déjà, on fait, et c'est bien. Alors justement, Pierrot, tu connais ton Vincent Parker depuis 12 ans. La dernière question et la réponse de Vincent à la dernière question m'inquiète. Question, avec qui vas-tu le mieux t'entendre dans cette aventure? Réponse de Vincent. Moi, personnellement, quand je te connais par cœur aussi, qui m'inquiète un peu. À part si t'es du con à la joie, ça se passait bien, quoi. Ouais. Là, ça veut dire, n'emmerdez pas, sinon je vous fais péter un scandale. La traduction de Moscato, Eric Marizan, on est d'accord? Ouais, ouais, je crois aussi. Ça veut dire, faut pas me chauffer, les amis, sinon je vous vole dans les plumes, sans aucune transition. C'est l'instant de Nijar. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle finale qu'on est, dans laquelle on assiste depuis de sa naissance? Denis Charvet était l'invité exceptionnel de l'émission qui s'appelle J'aime courir sur RMC Sport 2. Oh, quel escroc! Présenté par Gilbert Bribois et Mehdi Bala, émission qui vous transmet la passion du running. Et donc, Denis est invité en tant que passionné de running. Voilà. Donc, c'est déjà une petite première vanne, le concept de l'émission. Denis est en tenue de course à pied et des baskets, un joli t-shirt, un short avec Gilbert et Mehdi. Denis répond au premier degré à toutes les questions avec des punchlines dont lui seul a le secret, Vincent. Début un peu compliqué, là, il nous parle du marathon de New York, Denis. Marathon de New York qui était fabuleux, mais fabuleuse, pardon. Non, mais non, fabuleuse. Marathon fabuleuse. C'est terrible quand tu te reprends que tu as dit juste pour dire. Non, c'est parce que dans sa tête, il s'est dit expérience. Ouais, bizarre. Aventure, expérience, peut-être, mais il ne l'a pas dit en tout cas. C'est dans sa tête, c'est le problème de Denis. Première réponse, Denis raconte son rapport running. J'aime bien partir, tu vois, ici, le bois de Boulogne ou ailleurs, c'est, voilà, c'est la liberté. T'es content quand il fait beau, après, bon, quand il pleut moins, mais. Puis de se sentir confronté à soi-même, quoi, de reprendre vie avec son corps. Tu sens qu'il va déraper. Arrête, oui, c'est excellent. Attention. Ressentir quand t'es vieux un peu quand t'as bien fait du sport, vivre ton corps. Non, moi je le comprends. Attention parce qu'il va monter en puissance. Denis, quel est ton rapport à la compétition, s'il te plaît? Écoute, c'est un esprit parce que je suis compétiteur dans l'âme, quoi. J'ai grandi comme ça, j'ai été vacciné à ça, sûrement. Je suis vacciné à la compétition. Ensuite, Denis prend confiance et décide de délivrer un message aux Français, aux téléspectateurs. Moi, je dis qu'il n'y a pas de petits sportifs. On parle souvent de sportifs du dimanche. Moi, j'aime pas trop cette expression-là parce que le sport, il appartient à tout le monde. Voilà, le sport, il appartient à tout le monde, et pas qu'à toi, Vincent. Termine avec deux magnifiques punchlines. Vous allez voter pour la plus belle, d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas les valeurs dans le running? Attention, vous allez voter pour la plus belle punchline. C'est la fin de la séquence, fin de l'émission. Gilbert a les yeux grands ouverts, il se demande où il est. Denis, la première punchline. Le sport, on le sait, c'est une nourriture pour l'esprit qui est formidable. C'est magnifique. C'est une nourriture pour l'esprit. Ça, c'est beau, il avait jamais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous pouvez pas tout critiquer. C'est bien, c'est bon, les gars. Attention à la deuxième. Top. Voilà, c'est un remède extraordinaire à la mélancolie, le sport. Voilà, Denis Charvet, laquelle vous préférez? La nourriture pour l'esprit? Un remède à la mélancolie. On avait compris que Denis n'était pas trop mélancolique. Non, mais c'est un remède à la mélancolie. Ouais, c'est vrai que c'était un très bon antidépresseur, le sport. Très bon. Nourriture pour l'esprit. Moi, je préfère le rosé maintenant. Je sais pas pourquoi, toi aussi, Pierrot, j'ai l'impression, l'été, quand il fait glace, le rosé. Merci.
Denis. Bah, tu peux faire les deux. Merci encore une fois, Denis Charvet. Bravo, star, bravo Denis. La star en ce moment, Denis Charvet. Voilà. Ah ouais, Denis, là, magnifique. Bravo, Denis. Régal. Hier, il y a eu, suite à l'émission, il y a eu un tsunami de SMS. Oui, suite au débat sur les derbies, incroyable, et suite au top 3 de Denis Charvet. Ah ouais, ouais, il était de fort, ses réponses dans le Picardie. Bah ouais, c'était bien. Trop loup, ah, mais Gabriel, oui, c'est lui. C'est ça surtout. Mais si c'est lui. Mais si c'est lui. On peut se réécouter ou pas là? Oui. Est-ce qu'on l'a en magasin? Mais ça se mange. Parce que j'attends des nouveaux trucs, moi là. Si c'est lui, je me souvenais plus. Est-ce que Fred peut me dire si on peut le caler rapidement ou pas? Denis Charvet qui essaie de trouver le nom du maire de Lyon, élu en 95 jusqu'en 2001. Denis Charvet. Attention, notre NASA se met en route. Oui, attention, là, c'est Brandon Matt en régie. 4, 3, 2, 1, on appuie. Explosion. Denis Charvet, impossible. Non, c'est pas possible. C'est pas grave. Ah si, truc, pas tout, pas tout. Qui un indice. Mais si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Mais si, c'est lui. Allez, je vous rappelle que jusqu'à 18h.